Dionyse, un géant parmi les géants, compositeur et mélodiste, interprète de grands talents, qui saurait musique et sourire, séduire des milliers de gens. On a beau dire, on a beau faire, on en avait pour son argent. Quand Gilles jouait des nuits entières sur son gros papier des faux yeux. Merci monsieur pour ces flammes que vous avez fait tant briller. Si ça nous met le vague-lame, on ne saurait vous oublier. Nos pensées se rejoignent et les mots sont au premier rang. C'était un accordéoniste, comme il en reste quelques-uns. Une génération d'artistes, de talentueux musiciens qui jouaient la valse et musette et du Mozart tout au cinéma. Dans la plus lointaine des fêtes, où les beaux endroits parisiens, on l'a vu un soir vers escale sur la scène de l'Olympia. Merci monsieur pour cette flamme que vous avez fait enlever. Si ça nous met de la galade, on ne saurait vous oublier. Monsieur l'archevêque, ce prince du bal populaire, pendant depuis 80 ans, qui a fait honneur à son père, puis l'artiste, le résistant, faisant lever toutes les salles, son instrument à bout de bras, on l'a vu dans mille villages. Signer son nom sur les photos pour des danseurs de tous les âges, à programmer le tango. Merci monsieur pour cette flamme que vous avez fait enlever. Si ça nous met une vague à l'âme, on ne saurait vous oublier. Votre souvenir en témoigne. Ce soir, le banquier se rejoint. Grâce à vous, messieurs les chumets. Grâce à vous, messieurs les chumets. Grâce à vous, messieurs les chumets. Merci, messieurs, merci, mesdames, d'avoir joué cette belle chanson et de rendre toujours un hommage au plus grand des accordéonistes. Voilà. Applaudissez-les, l'orchestre, les musiciens. Merci infiniment. Ça s'appelle « C'était un accordéoniste ». Merci Gérard. C'est à qui maintenant ? Merci Louisette. Merci à tout à l'heure. Merci.